Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cette Journée internationale des femmes. Je voudrais d'abord remercier Madame Gila Clara Kessus, notre artiste de l'UNESCO pour la paix, pour avoir organisé ce colloque Femina Box. Ceci est le dernier d'une longue série d'événements et initiatives marquantes qu'elle a voulu porter sur ces sujets au cours des dernières années. Je salue son engagement et sa force de mobilisation qui nous rassemble autour des questions cruciales pour nos sociétés. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui d'inégalités économiques qui touchent aux femmes. Dans ces domaines, est spécialement le constat de mère brutal. Une femme sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. Si les tendances actuelles se confirment, elles seront plus de 340 millions les femmes et les filles dans cette situation à l'horizon 2030. Des inégalités face à la loi, des mentalités patriarcales, la pandémie des violences basées sur les genres parmi des autres facteurs structurels font que seulement 50% de femmes dans le monde travaillent. Notez bien que la majorité d'entre elles travaillent dans l'économie informelle et donc ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale. À l'époque de l'économie digitale qui a révolutionné nos vies, il est inquiétant d'apprendre que 37% de femmes dans le monde n'ont toujours pas accès à Internet. Nous faisons face à une véritable urgence. D'un côté, la pauvreté perpétue et amplifie les disparités entre les genres. De l'autre, relever les défis planétaires sans la pleine participation et reconnaissance des femmes dans le pays économique est une illusion. C'est pour cela qu'en cette Journée internationale de la femme, nous devons porter un message fort pour redoubler nos engagements communs et garantir l'autonomisation économique complète des femmes. À l'UNESCO, nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche. Nous œuvrons pour doter les femmes et les filles d'outils et de solutions pour soutenir leur vie et être des agents de changement. En même temps, nous travaillons avec nos partenaires pour corriger les normes et les préjugés structurels qui entravent leur pleine participation en tant que citoyennes et leaders. Vous le savez, l'accès à une éducation de qualité demeure notre pierre angulaire dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Rien que l'année dernière, l'UNESCO a accompagné plus de 30 pays pour examiner leur législation et leur stratégie en matière d'égalité de genre dans et à travers l'éducation. Nous croyons dans les femmes en tant que leaders dans tous les domaines. Nous mettons en valeur les contributions fondamentales des femmes artistes et créatrices en travaillant avec la société civile et les secteurs privés pour créer des espaces de réseautage et améliorer l'accès au marché. Nous soutenons aussi les femmes scientifiques. Vous connaissez certainement notre programme phare, UNESCO L'Oréal pour les femmes et la science, qui reconnaît chaque année les réalisations des femmes extraordinaires. À travers ces programmes, parmi les autres, nous encourageons la recherche, nous créons des réseaux de femmes scientifiques et nous appuyons l'innovation dans les pays en développement. Mais aussi et surtout, nous donnons une possibilité à des millions de jeunes filles partout dans le monde pour être inspirées par des femmes de succès dans les domaines scientifiques et technologiques. Dans un monde de plus en plus gouverné par la technologie, nous investissons dans l'accès des femmes aux technologies sans biais, y compris l'intelligence artificielle. Pour cela, nous avons travaillé main dans la main avec 40 pays pour inclure une perspective de genre dans les cadres législatifs liés à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. Mais soyons clairs,
aucune de ces actions ne peut aboutir sans un engagement fort contre la violence à l'égard des femmes. Qu'il s'agisse de protéger les femmes journalistes, scientifiques et artistes des attaques constantes qu'elles reçoivent, ou bien de lutter contre les violences sexistes dans les sports. L'UNESCO, dans toutes ces chambres-là, travaille aussi avec les hommes pour bâtir des secteurs économiques plus égalitaires. Mesdames et messieurs, n'oublions pas que les crises et catastrophes de tout genre ont un impact beaucoup plus important sur la vie des femmes et fragilisent leur position économique. Lors de la conférence que nous avons organisée le 25 janvier dernier à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans le multilatéralisme, et les leaders et les activistes venus du monde entier ont dénoncé les inégalités frappantes auxquelles font face. Aussi, les termes de sous-financement des projets environnementaux portés par les femmes. Voici un autre domaine sur lequel nous voulons travailler avec nos partenaires. Vous l'avez compris, très bien, notre approche est holistique. En abordant la pauvreté sous un prisme de genre dans les domaines de la culture, l'éducation, la recherche et les médias, nous visons non seulement à relever les ménages individuels. Notre ambition est beaucoup plus grande. Revendiquer la contribution pleine, libre et inconditionnelle des femmes à notre vie économique, des leaders communautaires au Parlement. Je suis persuadée que ce colloque Femina Box va nous aider à mieux travailler en réseau et à faire émerger des nouvelles idées pour briser les chaînes de la pauvreté, autonomiser les femmes et les filles et construire un monde où l'égalité n'est pas seulement un objectif, mais une réalité pour toutes et tous. Merci beaucoup.